Bonjour, bonsoir, bon et bon appétit, bienvenue de retour sur Final Fantasy 7. Je vais te faire contrôler, je regarde que toi, pas Macron. Ok, bon, lui, il est monté à l'étage. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Voilà. C'est beau, putain. Le clown. Tu veux dire Arlette, n'est-ce pas? Arlette en fait pour moi. Si la Shinra est impliquée, je ne peux pas rester là. Je viens aussi. Allez, vite, vite! Arlette me pose des questions. Comme quel genre de type est Claude? Je crois qu'elle t'aime bien, Claude. Je ne sais pas. Idiot! Mais oui, mais j'ai dit que moi je draguais l'autre. Je drague pas la fille vivante, moi, évidemment. Pour la difficulté du jeu. Je crois que je pourrais me reposer un peu. Allez, on dort. Dodo. Ça m'a foutu un coup de pompe, tout ce lore et tous ces beaux sentiments. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Mais oui, mais ça change. Putain, mais j'ai même pas... Oh, putain, incroyable. J'ai même pas mis le ventilo. Je me disais, j'ai chaud. Attendez. Déjà une heure de stream sans ventilo. Je suis fou. Je suis fou du chocolat l'envin. Non. Même moi, je suis trop jeune pour avoir connu ça. Ne vous inquiétez pas, je suis pas vieux à ce point-là. Tu vas chercher Arlette, n'est-ce pas? Oui. Ah putain, attendez. Ah putain! Voilà. Faites des dons pour que je m'achète un nouveau ventilateur. J'en peux plus. Je pars avec toi. Nous allons au QG, la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. J'ai l'impression que je vais devoir me surpasser. Si je reste là, je vais devenir folle. Putain, Barnabé, doucement. Pouvez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps? Et dur. Cet endroit est dangereux, il vaut mieux partir. Non, mais prenez, voyons, viens pour elle, je vais pas tuer. J'en souviens de ça. Chaque fois que vous avez un blanc et qu'ils se regardent tous dans tous les uns les autres, et... coup de boule dans le vide, toujours. Comment peut-on aller au bâtiment de la Shinra? On plus aucun train de Sion. Eh bien, allons à Walmart, peut-être trouvons-nous quelque chose. Et oui, la suite pour se rendre, évidemment, sur la plaque supérieure. Et aller éradiquer la Shinra. Ce sera par le Walmart. Donc, on se va se faire chier et on retourne au Walmart. Ah non, pardon, excusez-moi. Viens. Chier, j'avais 3 temps de retard. 4 temps de retard. Yes. Non. Comment ça, non? Oui, alors désolé, j'ai encore un peu le nez bouché, donc il y a moyen que des fois... je vous dirais bien, je me soigne, mais non. Parce que virus, donc... rien à faire. Juste à attendre, ça va passer. Yes. Donc, on retourne au... au Walmart, on retourne à Wuhan, évidemment, chez les putes de Wuhan, pour aller au QG de la Chine. Alors, vous avez de la chance, mais je me rappelle que la première fois que j'ai fait le jeu, quand j'étais gamin, j'en ai chié. Bon, déjà, je vous rassure, je comprenais pas tout ce qui se passait ici, hein, rapport aux prostituées et tout. J'avais pas tout compris. Mais je me sentais que c'était quelque chose de très important au fond de moi. J'ai cherché 150 millions d'années, puisque, en fait, j'étais... Attendez, c'est quel bouton, déjà? Je me souviens plus quel bouton j'avais appuyé pour... Merde. Ah! Oh, Seb Lucas qui donne 5 euros au ventilo! Merci Seb! J'aurais pas dû. Merci beaucoup. Merde, c'est quoi le bouton qui. Ah merde, excusez-moi, je fais des conneries.
Je trouve pas... C'est quoi le bouton que j'avais appuyé pour mettre les... Mais putain de sa mère. Bon, bref. J'avais pas réussi à mettre les... Il y a quelque chose là-dessus, ouais, j'ai peur. Voilà, ça, je l'avais pas vu. Et j'avais pas réussi à mettre le truc qui permet d'afficher le curseur comme ça, avec les petites flèches rouges que vous voyez qui brillent. Donc du coup, j'ai cherché pendant 300 000 ans avant de voir que ici, en fait, on pouvait y accéder ici. Et c'est l'enfer. Merci Seb. Et voilà. Et c'est ici. C'est par ici qu'on va pouvoir monter. Ils ont grimpé le long de ce câble, ça fait peur. Tu crois qu'on peut y grimper? Oui, ça fait nos mondes supérieurs. Ok, on va grimper. On n'y arrivera jamais. Tu sais jusqu'où ça monte? Eh bien, avoir un moyen, regarde jusqu'où. Qu'est-ce que t'en dis? C'est juste un câble. Ah oui? Ah bah moi ça m'a l'air d'un fil doré qui mène à l'espoir. T'as le mec quoi. Allez, on va grimper. Tu as raison, c'est la seule façon pour nous de sauver Arlette. Ok, la comparaison était peut-être pas des meilleures, mais je comprends ce que tu ressens, Barnabé. Pouette, 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 pouette. Ah oui, non, avant ça. Ah merde, j'ai oublié. Attendez. On peut pas y aller. Parce qu'avant de monter, on va s'apercevoir qu'en haut, en fait, il nous faut des batteries. Et pour avoir des batteries, il faut qu'on se dirige ici. Puisque ici, ils vendent des batteries. Notamment... Lui. Oui. Ah! As-tu vendu la plaque? Va te falloir une batterie en zinc! Tu vas me vendre quelque chose que tu as juste à trouver? Oh, je sais! J'ai réparé, alors ça va! Mais pourquoi ai-je besoin d'une batterie pour monter la plaque? Le problème quand il sera 100 gils chacune, ça te va? Ouais, d'accord, je prends toutes. Et paf. Voilà. Et donc là, on peut monter. Merde! Et maintenant, on peut monter. Voilà. Oui, donc, ouais. Heureusement, hein, je vous raccourcis le temps de recherche, le temps de qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, machin. Qui peut être un petit peu chiant. C'est terrible, t'as fait trop peur, t'as pas dit ça avant, je suis sûr. Allez, hop, on monte. Voilà, c'est là. Voilà. Et là... Batterie. Pardon. Putain, si vous avez cette référence. Peut-être que si je mets une batterie, il fonctionnera. Il fouche. Je dois devoir croire le géant du magasin. Yes. Oh, l'oreille droite. Oh, ce bruit sourd désagréable. Ah merde. C'est bon? Ok, let's go. Pouette, 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 pouette. Merde, je sais pas comment on fait pour monter sur l'hélice. Bordel de merde. Ah non, c'était en bas, c'est par en bas. Je suis con. Non, si, je sais plus. C'est par... Oui, si, c'est par là. Voilà. On va passer par là, puis par là. Donc ensuite, il faut mettre une batterie là. Ah, je vous ai dit, hein, tout le passage à Midgar au début est chiant. J'espère que vous êtes pressés d'avoir le remake pour pouvoir faire toute cette partie-là, évidemment. Puisque je vous rappelle que c'est épisodique. Et que vous n'avez que Midgar pour l'instant. Si vous décidez d'y jouer. Il faut que je saute. Non. Pas tout de suite. D'abord, il y a des trucs à récupérer en haut. Voilà. Notamment. Ça! Il y a une batterie ici aussi. Et hop, un coffre. De l'éther. Et je crois qu'ici, en fait, il n'y a rien. Je sais plus s'il y a quelque chose, en fait, ici. Là, on est au milieu, mais... Oui, non, il n'y a rien, c'est ça.
Rabatza, papa de la paix. Pouet, 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 pouet. Alors, j'ai beau l'avoir fini 20 millions de fois, j'ai jamais compris ce timing. Sautez sur. Faut que je saute avant que ce soit trop près. Bon. Trop tôt, d'accord, ok. J'ai jamais compris. Hein. Ah, c'est quand ça fait bouiche, peut-être. Oui, c'est ça. Ok, faut sauter quand ça fait bouiche, en fait. Bouiche. Ok. Ok, bon, bah maintenant, j'ai compris. Fallait que je sois plus vieux pour comprendre. Incroyable. Non, 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 j'y reviens de par là. Mais monte la putain de ta mère. Mais non, mais... À moins qu'il faut... Il fallait que je monte par là. Ah oui, si, là. Puis après là. Voilà, ok, c'est ça. Putain, l'angoisse. Ok, et là, on y est. Yes. Ah, au pied de la tour Shinra. Ok. Ça, évidemment, c'est... excusez-moi, la... La souris, c'est chez vous. Gros plan, hein. Le gros plan emblématique de... Final Fantasy 7, du début du mois. Dis, tu connais bien ce bâtiment, non? Pas vraiment, maintenant que j'y pense. Je crois que c'est la première fois que je viens au quartier général. J'ai entendu parler de cet endroit. Les étages au-dessus du 60e sont des étages spéciaux, et c'est pas facile d'y accéder, même lorsqu'on est employé. Ça doit être là qu'ils ont emmené Arlette. La sécurité n'est pas très importante en ce moment. Ok, allons-y. Attends une minute. Ton plan, c'est d'entrer comme ça par la porte principale? Bah, qu'est-ce que tu croyais? Je vais me faire quelques chinois et... Ça ne marchera pas de cette façon, on doit trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, si on continue, on va perdre du temps comme ça, Arlette va. Je sais, mais si on se fait prendre ici... Dis Claude, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là... Vraiment, il y a deux solutions. Soit on décide de faire la manière de Barnabé, soit on décide de faire la manière de... La manière de... Euphytose. Ils sont où les étages? Bah en fait, si on va tout droit, on fait à la manière de Barnabé. Si on le fait à la manière de Barnabé, en fait, on va vraiment tout droit. Là, il y a tous les gardes qui arrivent. Bah, on a 50 000 bastons à faire, mais vraiment beaucoup. Et après, on va jusqu'au 60e étage. Et à partir du 60e étage, ils nous laissent tranquille. Par contre, si on fait à la manière de Iphigénie, là, on va sneak carrément jusqu'au 60e étage. Mais par contre, ça va être un truc très long et chiant. Mais il y a des objets qu'on va pouvoir ramasser sur le chemin. Est-ce qu'ils sont où les étages? Bah, il y a 60 étages. Alors moi, j'ai ma petite version préférée. Vous vous doutez de laquelle c'est? Bah écoute, je vais prendre parti pour vous. Je vais prendre la meilleure solution, à savoir là où on va essayer d'avoir le plus d'objets. Puisque évidemment, comme vous m'avez posé des défis, et que je n'ai pas le droit d'acheter de queue de phénix, je pense qu'il est possible d'avoir une queue de phénix sur le chemin. Donc, on va y aller, on se glisse à l'intérieur sans bruit. Et on va prendre la manière chiante. Tu vois, faut faire gaffe et trouver un autre chemin. Tac. Donc, attendez-vous au meilleur moment de ce stream. Je l'ai attendu toute ma vie, ma foi. On va monter 60 étages. Vous êtes prêts? C'est maintenant que ça se passe. Et hop. Il faut monter par là. Et attention. C'est parti. On va vraiment monter jusqu'en haut. Faut bien que nous rejoignions Arlette pour l'aider. Tu parles, on va vraiment avoir du mal à trouver. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Iphigénie, ça va pas dire.
Allez, c'est parti. 2. 3. 4. 5. Je crois qu'en vrai, on les fait pas les 60 exactement. On en fait beaucoup, mais ben, je me demande bien pourquoi on a un chien sur le but de combler. C'est pas pour faire remarquer autant d'avoir des liens. Je doute que ce soit possible pourtant. Arrête, tu mets les nerfs en pelote. Alors même toi, tu te battrais pour quelqu'un d'autre? Je m'étais donc trompé sur toi. S'en fiche. Il est soufflé. Je veux simplement dire que je m'étais peut-être trompé. Qu'est-ce que ça veut dire, Iphigénie? Oh, elle était buggée. J'avais jamais vu ça. Où mène ces escaliers? Tu as qu'à leur demander? Je crois pas que ça pourrait être un de ces escaliers sans fin ou quelque chose du genre. Bien sûr que non. T'as raison, c'est pas possible. Je crois même de mémoire en fait qu'il n'y a qu'un seul objet en fait dans le truc. Je sais plus s'il y en a un ou deux, mais pas plus. On y est. Pas encore. On arrive. J'ai dit pas encore. Tu... Écoute, arrête de me poser la question sans cesse, nous sommes encore loin, 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 loin. Un élixir. Et franchement, pour un élixir, ça vaut le coup. Ah, le bol, j'en ai marre, je fais demi-tour. Et tu vas mettre autant, au-dessus longtemps à descendre qu'à monter? Ah, je crois que c'est la fin. Allez, Barnabé, te laisse pas aller. Ouais, bah moi, je suis pas fait... Je fais que de chair et sang, à part mon bras. Alors me traite pas comme si j'étais un ancien membre du soldat ou je sais quoi. Et moi, moi aussi, je suis un être humain. Et puis, tu fais ce que tu veux, moi, je continue. Et Barnabé, passe devant. Mais qu'est-ce qui te prend, je suis pas obsédé. D'accord, d'accord. Claude, passe devant toi aussi. Bah écoute, si t'as envie de sauver le monde, j'ai envie de dire, ne te mets pas en mini-jupe. C'est la marde. Tu peux... Tu es à quel étage sommes-nous? J'ai arrêté de compter. Quel intérêt d'avoir construit des immeubles aussi grands? Cette Shinra, ils sont vraiment nuls. Je crois que c'est la fin. C'est le dernier écran, celui-là. Ah non. Oh, je suis claqué. Marlène, j'aurais aimé te revoir une dernière fois. Arrête de jouer les idiots et grimpe. Nous sommes presque arrivés. Peut-être. Putain, t'es sérieux, Worsh, là? Nous sommes en guerre. Mais qu'est-ce que c'est, ce connerie? Oui, oui, il est sérieux. Comment ça? Il l'a dit au moins 5 fois. Sérieux? En guerre contre la maladie. Ouais, non, mais lui, ça y est, il faut qu'il redore son blason, il a pété une durée, lui. Allez, hop, c'est bon, on est arrivé. Finalement, oui, hommes. Alors, plus jamais ça. Je ne veux plus voir d'escalier jusqu'à la fin de mes jours. Pas de bol, on en verra d'autres, au fil de l'histoire. C'est vraiment crevant. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, nous ferons bien de nous tenir prêts. Eh oui!
ça y est, on est donc passé par les escaliers, on a sneak le truc, on a gagné un élixir, on a perdu 20 ans de notre vie, on a eu le temps d'entrer en guerre apparemment. tout ça. Ok, alors... donc, je vais m'équiper. Alors, non, ici, il n'y a rien à... En fait, je crois que je suis bon au niveau équipement, en fait. C'est juste au niveau matériel que ça m'embête un peu, parce que j'aimerais bien m'équiper différemment au niveau matériel, mais... Elle a pas de liaison, et ça, ça m'emmerde un peu. Rigole pas, à partir de demain midi, tout sera fermé et contrôlé, donc même la pizza du food truck, tu le verras pas. Tu le verras plus. Ah bah ça, ça s'appelle un confinement. Écoute. On verra, on verra. Allez, pour l'instant, on joue. Matériel. C'est quoi? Bah même sans ça, je pense que... Merde! Merde! Même sans ça, je vais m'équiper en matériel. Tant pis, je vais pas pouvoir soigner tout le monde. Surtout que... Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais la matéria tout qui est équipée à restaurer ici, le nombre d'étoiles, c'est le nombre de fois que j'ai le droit de faire la magie associée à tout, à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ferai guéri, enfin une fois guéri pendant le combat à tout le monde, je pourrais pas la refaire une deuxième fois. Après, ce sera du perso par perso. Donc je pense que ce qui est mieux, c'est que... Merde! J'avais ma main mal placée. Lui, je vais quand même lui laisser couvrir. Non. Je vais donner feu, glace et foudre à Claude en mettant foudre avec tout. Ephigénie, elle, elle va être en soutien, donc elle va avoir volé et sentir. Et restauré. Vu qu'elle est en ligne de défense. Barnabé, lui, va avoir couverture, parce que c'est celui qui a le plus de vie. Oui, c'est ça. Parce que maintenant que j'ai donné les 3 magies à Claude, il a baissé en HP max, et il a 437 de max Barnabé. Ok. Quel connard, Manchester. Allez, let's go. Donc... Là, normalement, si on avait utilisé la manière brute, on serait arrivé par là. Par l'ascenseur, avec 50 000 combats aléatoires et tout, super chiant. Et donc là... Eh bien, on y a entre eu. Paf. Et on y va. On a juste ce petit combat à faire, et après, on y va pour l'infiltration. Bah, vous savez quoi? Tant qu'à faire... Éclair sur tout le monde. Bam, merci la couverture. Aïe. Pas marché la couverture. Tant qu'à faire, je vais guérir Barnabé. Aïe. Ouais, c'est ça, il faut les taper en deux fois. Et donc là, normalement, voilà, si je fais magie éclair, je peux plus le refaire sur tout le monde, parce que j'ai déjà fait une seule fois. J'ai déjà fait une fois. Donc Barnabé, grand coup, tue-moi un gars. Ah oui, quand vous actionnez votre limite... La limite devient prioritaire sur toute autre action dans le combat. C'est-à-dire que ouais, j'avais enclenché l'éclair avant, mais étant donné que la limite a été acceptée et que l'éclair n'a pas été lancé, c'est la limite qui a pris le dessus. Ça, c'est bon à savoir au niveau combat, ça. J'ai juste pas besoin de me soigner. Allez, là, on va faire plus qu'attaquer. Ah merde, c'est vrai qu'il a une... Il y a une esquive qui est vachement grande quand il est en bleu. Oh, c'est bon. Okay. Ah oui, tiens, dites-moi, répondez-moi, le confinement, il durera combien de temps? 15 jours minimum? Tout ça va. Ouais, du coup, ils paniquent tous sur les frontières. Ouais.
c'est bon. Ouais, vous savez quoi? On va streamer, et puis pendant 15 jours, on va être tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a manqué une carte 60. Okay. Allez, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Tout ça, c'est pour le bien de tous, c'est pour éviter qu'une épidémie, une pandémie se propage encore plus. Allez, ça va aller. Et donc on a reçu une carte pour accéder à l'étage numéro 60. Et c'est à partir de là qu'il va falloir récupérer des cartes à chaque fois pour accéder aux étages supplémentaires et ça va être la merde. Voici du sérieux, baisse pas ta garde. J'espère qu'Arrête va bien. J'adore cette petite cinématique. Et hop. Nous voici. Et c'est là, franchement, c'est pour ça que j'apprécie aussi beaucoup Final Fantasy VII par rapport à ses précédents opus. C'est que là, il y a un vrai, vrai, vrai travail sur les plans. Vous voyez, là, le fait de fusionner... 1997, hein. C'est-à-dire que là, le jeu vidéo prend enfin conscience... Alors, il l'a peut-être déjà pris conscience avant, mais en tout cas, pour la série des Final Fantasy, là, ils prennent conscience que le style peut vraiment se calquer sur la cinématographie. Et ça, c'est super bien. Ok. Donc là, il va falloir sneak par le côté gauche. Et... Ah, là, c'est le passage chiant. Je peux réussir comme je peux lamentablement me foirer plusieurs fois. Regardez-moi ça, tous ces gardes qui courent dans tous les sens. Claude, passe devant et préviens-nous lorsque la voie sera libre. Il faut arriver... Ok, ça passe. Et il faut que j'appuie sur quelle touche pour... ok, d'accord. Vas-y, là, tu peux y aller. Tant qu'à faire, je vais attendre. Ah, mais l'autre, il a... Oh, tiens, viens. Ok, c'est bon. Il n'y avait personne devant lui. Vas-y, tu peux passer. Ok, c'est bon. Et donc là, deuxième passage. Et là, cette fois-ci, il court. Donc là, on va vraiment prendre notre temps. Et y aller quand il y a des trous, genre là. Merde! Trop rapide! Hé, hey, toi là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous sommes en guerre, annonce du président. Putain, mais ça, si c'est pas une connerie d'avoir dit ça, ça... Quoi, il est frustré que personne ne l'aime, ce mec-là, et... En fait, je résume tout ce qu'a dit le président en une seule action à faire. Acheter des actions en bourse à Ustuku. Il l'a dit 15 fois facile. Mais il est con, ce mec, ou quoi? Tout ce qu'il va gagner à faire ça, c'est de provoquer l'hystérie, quoi. Des vieux. Quel crétin. Mais en guerre contre qui? Contre la maladie. Mais la maladie, c'est pas... Tu connais pas une guerre contre lui. Parce que l'armée vient... Il a juste justifié, en fait, le fait de déplacer l'armée. Enfin, on va pas parler politique maintenant. Ça va m'énerver. Tue-le. Yes, ok. Je pense que c'est ce qu'il cherche parce qu'il était pas content de voir plein de gens dans des parcs, des restaurants à se côtoyer hier. Ouais, non, mais tu peux mener un confinement sans faire exprès de faire un mouvement de panique et de faire peur aux gens, quoi. Tu leur dis couvre-feu, tu leur dis sortez pas de chez eux et que il va y avoir des restrictions et que la police sera là pour vous ramener chez vous, quoi, c'est tout. L'ennemi est invisible, mais il est présent, nous sommes en guerre. C'est ce que... Quel connard, ce... Pardon, excusez-moi. Cher monsieur le président, vous êtes un con. Ok. Il retourne. Il fait un beau discours rassurant, en vrai. N'écoute pas ces manants. Ta Worcester. Worcester, première fois de ma vie qu'il essaye de...
de ménager mes nerfs. Des bisous, Orchi. Ok, deuxième passage. Ah putain, qu'est-ce que j'aime pas ce moment-là. C'est vraiment énervant. Hop là. Alors pareil, on attend que le premier passe. Ok, ça passe. Donc là, il va y avoir un trou. Et maintenant. Donc. Là. Attention. Non, ok, et là il va y avoir un... Non, faut que j'attende. Ok. Ouh, c'est bon, c'est fait. Au moins on a fait ça. Parce qu'en fait, ce truc-là, on peut, je crois, le rater 3 ou 4 fois. Et après ça, en fait, on a épuisé tout le stock d'ennemis, en fait, dans la salle. Et du coup, bah, on peut y aller tranquille. Et là, t'as Barnabé, il fait, t'es vraiment un con. Tu vois, enfin, un truc du genre. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas con, Melrel. C'est pas con d'avoir fait ça. Hôtel et autre établissement de ce style qu'ils avaient pour loger tous les aides-soignants. Très bien, ça. Enfin, une mesure pas trop con. Mais ce serait bien, c'est de le faire sans femme. Ah, bon, pardon. Figeni, n'oublie pas, nous sommes ici pour sauver Arlette. Je sais. Alors, désolé, YouTube, hein, c'est le confinement, c'est la panique, c'est comme ça que ça se passe. Ok, et donc là, la porte est déjà ouverte, alors qu'on n'a pas la clé numéro 61. Et là, on va découvrir que, en fait, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il a retiré? Il a oublié sa carte d'accès? Les employés ne peuvent pas se balader au-dessus du 60e étage sans sa carte d'accès. C'est pas à lui que je veux parler. C'est à lui. Je suis un pote de ta mère. Hey, tu es doué ici? Dis, t'es sympa, toi. Je vais t'apprendre quelques trucs. Des trucs? Fais donc pas cette tête-là, je vais simplement te montrer comment atteindre l'étage suivant. Les personnes au sommet de la hiérarchie de la société travaillent au-dessus du 60e étage, mais tu ne peux pas y parvenir sans carte d'accès. Procure-toi une carte d'accès, tu vois. Oui, non, ça je sais. Ça. Voilà, parce que tu vas ouvrir la porte s'ouvre. Non, mais je sais comment on dit. Je sais comment ouvrir une porte, bordel de merde. Bon, il est en train de te dire que si t'as une carte d'accès des étages au-dessus, tu peux aller jusqu'à tous les étages qui sont en dessous. Voilà, c'est juste ça. En un mot, comment ça? C'était lui alors qui nous donne ça? Non. C'est pas lui. Merde. Je crois que c'était lui. Ah non, c'est peut-être dans le... Non. Putain, mais j'avais le souvenir que c'était quelqu'un qui se trouve... C'est pas lui, alors? Ah oui, c'est ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ah, je comprends. Tu dois être celui qu'on appelle Shinra Incorporation Service des Réparations. Chalamax, coucou, c'est moi. Comment ça, coucou, c'est moi? Papy Gâteau? Excuse-moi, si tu n'es pas Papy Gâteau, sache qu'il y a un viewer qui s'appelle Papy Gâteau et qui arrive toujours en disant ça. Tu sais, on dirait que cet immeuble commence à partir en morceaux. Cette porte ne se ferme plus, tu devrais la réparer tout de suite. Ah oui, et jette aussi un coup d'œil aux étages. Tiens, prends ça. Paf, carte d'accès 62. Merci. Et du coup, carte d'accès 62. Bienvenue à toi, Chalamax. Ah oui. Alors. Comment vous dire? Alors, ici, il y a une énigme. Ici, il y a une énigme qu'il faut résoudre grâce au bouquin. Sauf que cette énigme, j'ai jamais su comment on la résolvait. Je connais la solution, mais j'ai jamais su comment on faisait pour... Parce que, voilà, c'est à chaque fois, il y a un titre, un nombre... Ouais... Et il y a deux bouquins par truc. Si, si, c'est moi. Ouais, y'a pas... comment ça? Incroyable! Y'a Papy Gâteau qui se subdivise et qui devient Papy Gâteau et qui passe de Chalamax à Papy Gâteau. Chalamax évolue! Bon, c'est jamais bien. Je vais essayer de chercher comment on fait. Remets les documents à l'endroit où tu les as trouvés, ne mélange pas les documents en provenance de différentes bibliothèques. Alors j'imagine qu'il y a... Attendez, je vais trouver. Archive département du développement d'armée. Maintien de la paix. Va bosser, le président a dit que le télétravail est d'actualité. 15. 17.
7, 2, 1. Si j'ai utilisé YK 79. Pour économique, programme de l'espace spatial. Système 1 ? Attends. Mais il y a plusieurs 2 alors. Clique sur la plaque à l'entrée de chaque bibliothèque pour en connaître son nom. Ah, je comprends rien. Développement scientifique. Bon, bref, vous voyez, ça va être ça du coup jusqu'au bout. Bonjour, voici le bureau du maire, le Midgar. Le maire Domino est dans son bureau. Je suis le maire adjoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Attends, avant de lui parler, je vais voir s'il n'y a pas un truc quelque part. Non, il n'y a rien. Ouah, wow, t'es perdu. En fait, je connais la solution, mais j'ai jamais su comment la trouver. Qui êtes-vous ? C'est probablement... Moi je suis Domino, le maire de Midgar. En fait je ne porte que le titre de maire, mais la vie Gira. Ah moi les maires, la carte d'accès, si vous voulez un mot de passe, je vous donne la mienne. Oh c'est bien ça. Devinez le mot de passe et je vous donne ma carte. Si vous trouvez le premier coup, j'ajoute même un objet spécial. Alors j'ai pas plus d'indices avec lui, donc dès que je... Alors... je me souviens... Dans la version PlayStation que j'avais, la solution... C'était le mot Mako. M-A-K-O. Mais j'ai jamais su comment on faisait pour le trouver. Parce qu'il y a un. Mais il y a des... Loi Shinra de Heidegger 14. Mais pourquoi 14? Pourquoi 1? À moins que... Tu veux un indice sur comment faire? Attends. Attendez, je vais quand même réussir à résoudre cette merde quand même. Le maire Domino. Le maire de Midgar, Domino, est dans une petite salle à gauche. Il vous donnera sa carte. Ouais, mais là, t'es en train de me donner la solution. Caution, vous lui donnez ses cartes. Dans chaque bibliothèque, il y a un livre qui n'est pas à sa place. L'ouvrage en question possède un numéro. Il faut ensuite prendre la lettre. Le titre de la lettre qui correspond à ce numéro. Il faut ensuite prendre dans le titre la lettre. Putain, c'est ce que j'avais fait, mais je l'avais fait à tous les ouvrages. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, K. Putain. Si le numéro... Par exemple, si le numéro est 3, il faut prendre la troisième lettre du titre, ce qui nous donne ici le mot de passe Mako. Putain, mais je l'avais fait. C'est putain de dur. Mais non, c'est ce que j'avais fait juste avant, mais sur tous les bouquins. Et ça n'avait pas de sens. Et j'ai oublié de refaire cette démarche-là sur les bouquins. Donc là, évidemment, ça nous donne la lettre K. Putain, j'ai oublié de refaire cette technique, quel con. Et donc là, c'est 2, et c'est O. Putain. Je suis dead, j'avais trouvé, mais j'ai oublié de refaire cette technique de merde. C'est Mako, donne-moi mon objet, c'est Mako. Mako, que j'aime entendre ce mot Mako. Si j'en avais davantage, je serais vraiment mère. Bon d'accord, tenez, prenez-la, carte d'accès 65. J'en aurais jamais cru que tu l'aurais du premier coup. Ça te montre qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Eh bien, une promesse, c'est une promesse. Prends ça aussi. Materia, élément base. Toujours vivant, toujours debout. Tu me demandes pourquoi je fais ça? Pour me venger, bien sûr. La Shinra ne fait que me tourmenter. C'est pour ça que je vous ai tous traités durement. Va là-haut et fais-les vraiment souffrir. Ça leur apprendra. Hé hé hé. Ok. Salut, moi c'est Renaud pour un Renaud Fantasy. Non, je vais pas le faire. C'est... Pourquoi le maire à la voix de Renaud? Les bars sont fermés, c'est vraiment pas cool. Moi je veux mon pastis. Sinon je vais emmerder. Non mais si je fais ça, je vais faire de l'ombre à Ganesh. Et c'est l'idée de Ganesh au début. Alors je vais pas piquer son idée. Alors,
Nouvel étage, nouvel 63. Ok. Oh, moustache qui chatouille. On dit qu'il y avait un bruit bizarre. Eh, hey, viens voir du gameplay. T'as vu, c'est sympa. Non, je vais pas le faire. Bibi, vérification de la carte d'accès. Oui, employé niveau B, vérifié. Tu peux ouvrir 3 portes à cet étage. Tu peux échanger tes coupons contre des éléments. Attention, évitez d'entrer imprudemment dans les conduits d'air conditionné, ils peuvent s'avérer très dangereux. Oui. Alors, du coup, ce que je peux faire, ici, c'est une énigme assez simple, c'est-à-dire que ici, il y a 3 coupons dans les trucs qui sont fermés dans les endroits, mais j'ai le droit d'ouvrir que 3 portes. Donc, faut que je choisisse bien quelle porte ouvrir. Mais une fois que j'aurai échangé un coupon, ça bloquera toutes les portes et je n'aurai plus le droit de refaire cette énigme. Il existe une façon pour récupérer tous les coupons. Donc, je vais ouvrir cette porte. Je me rappelle de la solution, je crois. Ouais, c'est ça. Cette porte. Voilà. Du coup, là, j'ai un coupon. Tac. Là, je suis rentré dans la pièce. La ventilation, c'est... Je grimpe dans la ventile. Et t'as vu, c'est sympa. Un mix entre Renault et le père Fouras, quand même. Ah bah, c'est un petit peu la voix de Renault, maintenant, hein, j'ai envie de te dire. Perdu, c'est ma bite. Non. Non. Je veux pas faire le père Fouras, pas maintenant. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai ouvert 2 portes. Je récupère le coupon B. Et j'ouvre la dernière porte, ici. Et hop, coupon C. Et voilà, j'ai les droits. Ok. Je crois que de mémoire, d'ailleurs, sur les 3 coupons, il n'y en a que un seul qui est potentiellement utile, je crois. Hyper fourré. Ah, bravo. Bravo, je te félicite pas. Échanger un coupon. Échanger coupon contre les éléments. Voici les éléments disponibles. Coupon A, pentif étoilé, coupon B, 4 orifices. C'est les 4 orifices qui est surtout très utile. Coupon C, matériel tout. Attention, lorsque tu échanges des coupons contre des éléments, la fonction supprime et tout est désactivée. Échange coupon, oui. Échange coupon terminé. Pentif étoilé, 4 orifices, matériel tout. Je vous défends de faire quelconque jeu de mots de merde avec l'équipement qui s'appelle 4 orifices. Merci. Bisous. Donc 4 orifices, c'est un équipement, une armure, qui permet d'avoir une bonne défense magique. Le seul truc, c'est que voilà, c'est 4 orifices non liés. Donc ça peut être un petit peu chiant. Je crois que je vais le donner sur Iphigénie. Tant qu'à faire. Hop. Parce que ça lui donne une bonne défense magique. Et étant donné que... Je vais vous dire pourquoi. Parce que, étant donné que la défense... Quand on est en retrait sur la ligne de défense, les attaques physiques infligent 2 fois moins de dégâts, mais les attaques magiques, elles, infligent toujours autant de dégâts. Donc tant qu'à faire, autant lui faire baisser sa défense, mais augmenter sa défense magique, vu qu'elle est en ligne de défense. Et donc voilà. Et puis de toute façon, elle a pas de matériel à tout. Je vais équiper l'autre matériel à tout à quelqu'un, même si je la lis à rien. Ouais. Ah mais tu vois, il y a éléments de base aussi. Alors, éléments de base, voilà. Ajoute éléments et matériel à arme ou armure. Donc, si j'associe... Bah tiens, je pense que ça va être beaucoup plus sympa, en fait, de faire ça. Je vais associer à foudre éléments de base. Ce qui veut dire que maintenant... Il la prend en compte ou pas? Oui. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais attaquer... Je vais équiper tout aussi. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais attaquer avec mon arme, avec l'AD, ça va faire un dégât foudre. Donc, machine, boss, ennemi, craint foudre. Et t'as vu, c'est sympa! Allez, on y va. Et donc, je vais pouvoir monter. Parce que je crois que j'avais la carte 64. Ok. Bon. Ok. Alors, bah écoute, YouTube, on a quand même vachement bien avancé hein, dans cette infiltration exceptionnelle placée sous le signe du CDI. Hein. Vous savez, cette grosse dame dont vous ne rappelez plus le nom, mais qui, mine de rien, somme toute, était un peu sympa. Et t'as vu, c'est sympa, qui vous prêtait des livres quand même au lycée comme ça, et à qui vous n'avez jamais pu dire au revoir.
voilà, hommage à elle, bien entendu. En tout cas, YouTube, ça s'arrête ici pour toi. J'espère que tu as kiffé ce mode. C'est qu'évidemment, tu mets un pouce, je te fais plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.